Bonjour les amis. Alors, en France, on peut le dire, sans risque, l'idéologie prime sur la réalité, ce qui se démontre finalement avec les mots qu'utilise ce pouvoir. Alors vous avez le droit à séparatisme islamiste, vous avez le droit à l'ensauvagement, vous avez ceci ou cela, la panne de l'ascenseur social, les inégalités sociales, pas d'amalgame, enfin je ne vais pas vous faire toute la liste, sinon il nous faudrait à peu près quelques heures. C'est une façon de procéder chère au socialisme. D'ailleurs, dans tous les pays à connotation socialiste, on utilise ce même genre de procédé. Et c'est depuis des années. Mais cela conduit toujours les pays qui l'utilisent au désastre. Et je vous assure que Macron n'échappera pas à cette règle. En attendant, la France, économiquement, est au plus mal. Les affaires s'écroulent, les faillites sont en grand nombre et devraient même exploser selon les différents intervenants économiques. Et le manque de résultats lié à l'inaction chronique de ce gouvernement est évidemment très visible. Je vais prendre un exemple, hein, celui des masques. On nous avait dit le masque, c'est la panacée contre le virus. Notez bien que depuis que le masque est obligatoire, c'est-à-dire juillet-août à peu près en France, que beaucoup de gens, sinon tout le monde, porte un masque, on n'a pas vu que les chiffres du virus se ralentissent, bien au contraire. Donc aujourd'hui, on n'a aucun résultat concret de ce que nous oblige à faire le gouvernement. L'autre jour, j'ai vu des gens qui portaient des masques dans des endroits vides. J'ai même vu des petits villages, on m'a rapporté cela, où il fallait mettre le masque alors qu'il n'y a pas âme qui vive. On est quand même dans le déni le plus total de nos droits civiques. Quel est le but? Je me suis posé cette question, quel est le but? Eh bien, le but, c'est d'instaurer un climat de peur, un climat qui va faire que les gens vont être très malléables, et puis, en fait, tout cela est politique, c'est-à-dire que Macron se prépare pour sa réélection de 2022, et que, pour cela, il a besoin de créer ce climat. Sachant que, de toute façon, le virus finira par passer, parce que tous les virus finissent par passer, et il joue là-dessus. Il joue sur ce point pour vous dire après, vous voyez, je vous avais dit. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire il vient à la télévision, qu'il occupe pendant 1 heure, pendant 2 heures, peu importe, et là, il fait des promesses. Vous avez vu les promesses, parce que là, je pourrais les citer, toutes les promesses. D'ailleurs, je vais faire un article là-dessus pour citer les promesses, et vous allez voir qu'en face, il n'y a rien. C'est le grand vide. À aucun moment, Macron n'a tenu ses promesses. Alors, la promesse qu'il n'y aurait pas de faillite n'est pas tenue, la promesse qu'il n'y aurait pas de Français laissés sur le carreau n'est pas tenue, évidemment, puisqu'il y en a de plus en plus, hélas, qui sont très très mal. Et on est dans ce système. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut faire croire qu'on agit. Alors, on ferme des bars à Marseille ou des restaurants à Marseille, on les ferme d'abord à 22 h, puis après on les ferme définitivement. Comme si le virus choisissait, vous voyez, le virus, il arrive à 22 h 01 à Marseille, et il repart ensuite ailleurs. Mais ces mesurettes ne font rien, n'apportent rien, puisque le virus continue. C'est naturel. Et trouvez-vous normal que l'on puisse ainsi désigner à la vindicte des professions entières? Ben moi, je ne trouve pas ça normal. Et en plus, on n'a pas de résultat concret. Parce que si on avait un résultat concret, je serais le premier à vous dire, bravo, il fallait oser faire ça, ils l'ont fait, et on a le résultat. Mais on n'a pas de résultat. Bien au contraire. Tout va de plus en plus mal partout, parce que on a lié le virus à l'économie,
et on a tué l'économie. Alors certes, évidemment, il y a des morts, mais vous savez combien il y a de morts par an en moyenne en France ? Toutes causes confondues, il y en a plus de 650 000 par an, c'est-à-dire à peu près 1% de la population, d'accord, qui meurt chaque année. Donc, on n'a pas jusqu'à maintenant avec ce virus la preuve que c'est démentiel. Vous avez eu des par exemple, en 1969-70, comme je l'évoque dans mon article « La mort au bout du souffle », vous aviez eu 40 000 morts en 2 mois, entre décembre 1969 et janvier 1970. 40 000 morts. On n'avait ni arrêté l'économie, ni rien du tout, ni pris des mesures restrictives, ni désigné à la vindicte des professions. On n'avait rien fait. On avait évoqué vite fait à la télévision française une grippe qui serait un peu plus dure que d'habitude. Voilà, c'est tout ce qu'on avait fait. Bon. Alors, est-ce qu'il vaut mieux avoir ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire cette espèce de peur permanente, hein, de chantage en quelque sorte à l'affect, ou laisser faire, parce que de toute façon il est là ce virus, et éviter justement de créer cet effet panique. Effet panique qui va forcément déstabiliser tout le pays, et qui de toute façon, avec la crise économique qui était déjà là avant, mais que maintenant elle va être démentielle, on aura du mal cette fois à y faire face. Hein, ce ne soit pas avec les soi-disant aides de milliards, et vas-y des milliards par-ci, vas-y des milliards par-là, que la France va se sauver. Ce n'est pas possible. Hein. On a quand même aujourd'hui des indicateurs économiques qui sont tous en rouge, mais vraiment en rouge-rouge, parce qu'on n'aura pas les moyens de faire face à ce genre de crise. Hein. Une crise qu'on a alimentée, qu'on a créée, et qui finalement va se retourner complètement. Bon, pour l'instant, Macron a cette chance, c'est que le français est assez, assez soumis, assez mou, et qu'il ne bouge pas trop. Mais ça ne durera pas, parce que là, maintenant, avec les prochains événements qui vont arriver, ça va attaquer tout le monde. Hein. On va toucher les gens dans leur portefeuille, parce qu'il faudra bien payer toute cette gabegie. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper là-dessus. Il va falloir payer. Et ce jour-là, eh ben, ça sera trop tard, parce que le mal, il est fait, et il est bien fait. Voilà, donc, je ne sais pas, mais quand on fera le bilan de cette épidémie, qu'on constatera l'échec énorme de ce gouvernement sur ce plan, eh ben, il faudra bien que les comptes se règlent. C'est une obligation. De toute façon, l'histoire a toujours fait payer les comptes, d'une manière ou d'une autre. Bon, là, on peut le dire, les politiques ont failli. Les médias ne font plus leur boulot, qui est quand même, je vous rappelle, hein, comme ça, d'informer d'abord, et non pas de faire de la propagande et de balancer l'idéologie du pouvoir. Là, aujourd'hui, c'est démentiel, je veux dire. Là, c'est plus la télé, là, c'est la télé de... On se croirait à l'ORTF, vous savez, dans les années 60-70, mais il n'y avait qu'une chaîne. Donc on avait une chaîne, boum, on regardait pas. Là, maintenant, c'est toutes les chaînes. C'est l'ORTF de retour. Donc, je vais arrêter là, parce que sinon je vais m'énerver. Et puis, vous le savez, comme on est mal, on est même très mal. Je vous dis quand même à la prochaine. Et surtout, partagez, et n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Merci.